Reste là, ok? Oui, Joël. Je ne bouge pas. On doit retourner dehors. Faut trouver ce pont. Dis-moi juste où aller. Oh, j'ai horreur de ça. C'est une toile de fond. Avant, les gens se faisaient prendre en photo devant. Ouais, je sais ce que c'est. Bon, alors. Dis-moi ce qui va pas, Ellie. Je voulais pas te désobéir tout à l'heure. C'est juste que tu mettais vraiment beaucoup de temps, et je me suis dit... qu'il t'était peut-être arrivé un truc. Peu importe ce que tu croyais, il faut à tout prix que tu obéisses. On peut sortir par cette porte. Hé, hey, tu vois un moyen d'aller là-haut? Non. On peut peut-être se servir de ça. Allez. C'est plus lourd que ce que je croyais. Tu peux m'aider? T'es sûr que tu peux compter sur moi? Ellie... Pousse! C'est ce que je fais! Pousse plus fort! Là, ça te va? On y va. Ugh.
va, baisse-toi. Alors écoute, je vais aller en bas et je vais nous dégager la voie. Et moi alors? Tu restes ici. Mais c'est vraiment stupide. On aurait plus de chance si tu me laissais t'aider. C'est le cas. Bon, t'as l'air de savoir te servir d'une arme. Tu crois pouvoir utiliser ça? Ben, j'ai déjà un peu tiré au fusil. Mais sur des rats. Des rats? Avec des billes. Bon, c'est presque le même concept. Soulève-le. Écoute-moi, tu vas devoir t'appuyer contre la crosse, parce que le recul est bien plus puissant que sur un fusil à billes. Ok. Fais reculer le levier. Soulève-le, enclenche-le, voilà. Dès que t'auras tiré, tu vas devoir recharger immédiatement. Écoute bien. Si tu vois que ça chauffe pour moi, tu ne gaspilles aucune de tes balles, ok? J'ai compris. Parfait. Et pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, c'était vraiment lui ou moi. Y a pas de quoi. Cet abruti a vraiment merdé. Quitte à voler un truc, autant être sûr que tu peux t'en tirer, pas vrai? À sa place, j'aurais... Ils sont morts! Ils sont tous morts, putain! Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Calme-toi! Qui est mort? Toute l'équipe. Les 76 vigies. Un putain d'intrus les a tués! Continue comme ça. Il est par là. Il est pas là, vieux. Déployez-vous. Tu le vois? Il est pas par ici! Tu le vois? Il est parti! Oh. Il est dans le coin! Ouvre l'œil! Ah!
Ok. Descends. J'étais comment? Qu'est-ce que tu dirais d'un truc un peu plus à ta taille? C'est juste pour les urgences. Ok. Là, la sécurité est mise. Tu sais comment faire pour la retirer? Oui. Bon, il faut que tu fasses attention. C'est pas un... Joël, je serai prudente. D'accord. Ils y vont pas de main morte. Merde, c'est pas si différent de ce que fait l'armée à Boston. J'imagine que non.
Vas-y, à toi de jouer, les... Ça marche. Non, la foutue chaîne est bloquée. Attends. Hey. Voilà. Ok. Bien joué, Ellie. Aide-moi à l'ouvrir. Voilà. C'est bon. On dirait un bon emplacement. Ça devrait nous aider. Oh, merde, baisse-toi, vite! On a de quoi faire, on dirait. Au moins, ils ont tué ce couple. J'étais sûr qu'ils avaient réussi à quitter la ville. Reste plus qu'à trouver les deux du pick-up, maintenant. Ouais, j'espère qu'il y avait une putain d'armée dans ce pick-up. Comment ils ont fait pour fumer toute l'équipe, là-bas? Poursuivons les recherches. Je veux que ce soit plus clair avant de... Les entendre, on dirait qu'ils ont peur de nous. Surtout, reste bien sur tes gardes. Je dis ça comme ça, mais je suis contente que tu sois de mon côté. C'était un compliment. D'accord.
pu se projeter à l'est. Ils n'ont rien vu. Et Market Street, alors? Ouais, raccourcis la zone en ce moment. Ils les trouveront peut-être là-bas. J'espère vraiment que ces intrus vont se montrer. Merde, ils finiront par sortir. Je crois que c'est ton jour de chance. Joël, il y a un type au premier étage, juste là. Ouais, je le vois. Pas un bruit. Rien de mon côté. Moi non plus. Bon sang. La survie à tout prix. Quoi ? Ah. Le truc de la BD.
Mais... Alors c'est comme ça que ça s'est terminé dans cette zone. Dans chaque bataille, il faut un perdant. T'imagines, s'ils avaient de la famille? Tout le monde a une famille. Mieux vaut ne pas y penser. Comment pas y penser? Là, viens, Ellie. Ok. Allez. Et voilà. On y est presque. J'ai vécu dans ce genre d'endroit, en zone de quarantaine de Boston. L'école préparatoire militaire. Ouais, c'est un orphelinat en gros. Je me demande ce qu'ont pu devenir tous ces enfants. Cet endroit est fermé depuis un bout de temps. Ce ne sont plus des enfants. En voilà une autre. Ces affiches sont partout. Ouais, je l'ai vu, juste avant l'épidémie. C'est vrai? Et est-ce qu'il lui fait la peau? Personne ne meurt. C'est juste un film pour ados. Qui t'a emmené le voir, alors? Allez, reste concentré. D'accord. Prenons la ruelle. Oh, encore ce foutu camion. Ça va, reste accroupi. Non. Encore loin. 10. Continue. Je sais pas, toi. Non, mec, 25. Tu déconnes. Je te jure. T'as 25 boîtes de bacon? Enfin, 24. Je viens d'en finir une. Où t'as trouvé 24 boîtes de bacon, putain? Dans un casier militaire de l'autre. Que dalle, voilà. Un genre de tourelle militaire, reste baissé! Il est par là. Il a filé. On se déploie. Thank you.
ça se met. Tout va bien. Ils peuvent pas nous voir. C'est quoi ça? Joël! Attends! Joël, arrête! Regarde! Laisse-le tranquille. Du calme, petit. Fais pas de bêtises. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Oh, merde, tu frappes fort. Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosse avec eux. La loi du plus fort. Tu saignes ? Bon, non, c'est rien. Je m'appelle Henri. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël. Ellie. Qui d'autre est avec vous ? Ils sont morts. Hé, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Ok, on vous suit. Suivez-moi. Désolé pour l'histoire du flingue. T'inquiète, j'aurais sûrement fait la même chose. Vous êtes d'où ? Nous, on vient de l'Artois. Vraiment ? On m'a dit que c'était pas la joie là-bas. Ouais, l'armée a abandonné la zone. Alors on est parti. On doit ressembler à ici maintenant. Faut qu'on soit prudent. On est près d'un des postes de surveillance. T'es seule avec ta fille ? C'est pas mon père, c'est juste... J'ai promis à quelqu'un de veiller sur elle. Ouais. Faut comprendre ça. Ok. Cool. Je suis sûr qu'elle y aimerait ça.
Attendez. Taisez-vous. Écartez-vous des fenêtres. Ils sont partis. Merde, ce foutu camion. Ils nous pourchassent depuis qu'on est arrivé dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend ? Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi ? On prend le minimum. C'est ça. Allez, on y va. Il est loin, cet endroit ? On arrive. C'est tout près. Ellie, tu nous couvres. T'as trouvé quoi ? Bien sûr. Que dalle. Sam, on dirait qu'il y avait quelqu'un. Reste avec elle. Mais ils sont partis. Ok. Et où sont les autres ? Ils voulaient refaire un dernier tour, pour s'assurer qu'on n'ait rien loupé. Ok. Va jeter un œil par là. J'ai fouillé cette zone. Tout va bien. Pas mal pour un vieux. Allez, sur le camion. Oh merde, il y en a d'autres en haut. Par cette porte. Toi qui les connais bien, tu es certain que c'est sûr ? Je suis le seul qui a la clé. Et d'où tu la tiens ? J'ai tué l'un d'entre eux. Il n'y servira plus. Allez, passez. C'est par là. Alors, t'as quel âge ? Moi ? 14 ans. Et toi, alors ? Pareil. Ah, t'as 14 ans. Presque. C'est ça. C'est vrai. On y est. Bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici ? Ouais, quelques jours. Mais on a trouvé à manger. Viens. Des myrtilles ? On en a toute une réserve. T'en veux ? Non. Hé, hey, détends-toi.
On craint rien. Alors pourquoi vous êtes pas parti? On attendait juste le bon moment. Et? Viens, je vais te montrer un truc. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Ok, prête? Aïe! Attaqué par une myrtille. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire comme ça. Elle a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où est-ce que vous alliez? Il paraît que les lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer? Bah, j'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les lucioles ces jours-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les lucioles. On est là. Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là, demain. Si toi et ta fille voulez venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu, alors. Il dit qu'il faut qu'on y aille. On va devoir être rapide, d'accord? Alors peu importe ce qui se passe, tu me colles. Je te colle. Tu me colles. Compris. Bien. Bien. Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Ok. Vous éloignez pas, ok? T'as déjà essayé? Ouais. C'est rassurant. Relax, grand-père. J'espère que tu connais le chemin.